C'est le sexe de mon fils. Comment ça? Il y a deux jours de cela, je lui ai demandé de l'argent. Il a dit qu'il n'a rien, 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 rien. Mais tout ça. Non, ça c'est un piège. Non, non, non. Parti au travail, j'ai remis le sac à la secrétaire. Et il s'avère que non, il y avait un montant de 4 millions. Quoi? Donc la secrétaire a pris l'argent? Non, maman, elle n'a pas pris. Mais quoi? Elle ne peut pas prendre l'argent. Je me demande même si c'est elle. Mais il y avait 10 millions à l'intérieur, mais quand on a fait le calcul, il y avait un montant de 4 millions. 4! Mais tu as demandé à ta femme? Vous, quand vous venez, vous deux là, vous êtes en train de manger tout pour moi dans la chambre. Tu sais que depuis la semaine passée, elle était partie, non? Elle est partie. Elle était partie, maman, depuis la semaine passée. Et là, on m'a dit que non, je suis licenciée. Hein? À cause de ça seulement? C'est 4 millions. Quand tu as travaillé avec lui pendant longtemps, à cause de seulement 4 millions là? Seulement? Ah, mais c'est seulement? Il a utilisé mon fils beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Oh! Pour 4 millions seulement, il te chasse. Pourquoi? Hein? Oh! Vous êtes vous, votre chef là, vraiment. Comment il peut faire ça? Ah! Mais toi, tu dis la semaine quoi? La semaine passée? La semaine passée, non? Le sac là, avec quel boulot? Sac noir, sac noir, sac noir. Ah, c'est comme si. Oh, mon fils, toi, tu sais que moi je vote jamais, hein? Hein, je mon jamais fils? Dit, ah, je jamais accusé, moi je vote jamais, tu sais, nous en village là-bas, c'est interdit de voler. Mais vraiment. Mais il me semble que j'avais vu le sac là, mon fils. On dirait que j'avais vu un sac noir la semaine passée là-bas. Je sortais de la chambre, j'ai vu un sac ici, mais je n'avais pas touché. Oh, comment ça, maman? Non, j'avais vu un sac. Tu as demandé à ta femme. Demande d'abord. Elle a l'habitude d'ouvrir tes sacs. Hein. Peut-être qu'elle était venue. Elle a ouvert ton sac. Elle a pris peut-être l'argent. Il faut la demander. Mais sinon, moi, j'aurais vu le sac noir sur la tablette ici. Là. Mais c'est ce que je te dis. Mais tu n'as pas ouvert le sac. Hein? Hein? Il faut seulement aller supplier ton chef. Comment mon fils, il va te je remettre. Je supplier comment? Un peu d'argent. Seulement, tu as travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, mais c'est comme ça. C'est l'argent de l'investissement. Comment je devais faire? Et on a perdu un gros marché à cause de moi. Hein? Même la maison, on va le perdre. La maison là? Donc je vais repartir encore au village. J'ai mal à la tête. Ah! Mon fils, on dirait que j'avais vu l'argent.
Comment ça, tu as vu l'argent? Ah, moi, je ne sais pas. Tu sais, moi, je vois le pain. Ouais, mais tu dis que tu avais vu l'argent. Tu avais vu l'argent, comment, du jour? Calme-toi, mon fils. Je te le dis, calme-toi d'abord. Calme-toi, mais on dirait que j'avais vu l'argent. Oui, mais donne-moi l'argent. Hein? Mais oui, tu me dis que tu avais vu l'argent, donc donne-moi. Tu avais pris l'argent dans le sac. Non, moi, je passais. J'ai vu le sac. Ça a attiré mon attention. Ça, c'est pas le sac de mon fils. Je pensais que c'était une autre personne qui a laissé. Je suis venu, j'ai vu comme ça. Après, il y avait beaucoup d'argent dedans. Beaucoup d'argent. Des tas de oui, il y avait 10 millions. J'ai pris seulement 4. Ah mon fils, il y en avait beaucoup. J'ai pris seulement 4. 4 seulement, regarde. Il y en avait beaucoup comme ça. Là. J'ai pris seulement 4. 4 comme ça. J'ai laissé tout, laissé le reste. Là. J'ai pris seulement un peu. J'ai dit, ah, laisse-moi. Attends, c'est toi qui m'as fait chasser de mon boulot. Mais comment ça? J'ai pris seulement 4. Je mais tu peux pas prendre l'argent. C'est l'argent du travail, maman. Mais j'ai pris ma part, mon fils. T'as pas. Moi, t'avais demandé l'argent la fois que tu as dit que tu n'as pas l'argent. Quand j'ai vu, j'ai pris ma part. Avec le peu d'argent, là, beaucoup d'argent que j'ai laissé, il va te chasser comment? Il faut lui parler. Tu m'as licencié, en fait. Non, mon fils. Hein? Mais si tu n'avais pas pris l'argent. Oh, même moi, j'ai ton chef, je vais le parler. Il t'a utilisé beaucoup d'années là. Avec seulement le peu que j'ai pris là, il va te dire quoi. Oh. Moi, j'ai pris ma part, mon fils. Oh, moi, quand c'est je pas demande... ta part, c'est l'argent du travail. C'est pas ta part. Ah, mon fils, c'est compliqué. Moi, j'ai pris ma part, moi, j'ai pas volé. C'est pas ta part. Ta part, c'est quand moi je te donne. Mais je t'ai pas donné. Déjà, prendre l'argent dans le sac d'une personne que tu demandes. Mais pas. J'ai pris volé. Mais c'est pas ton argent, maman. J'ai pris seulement un peu, mon fils. C'est pas ton argent. Et qu'est-ce que tu as fait avec 4 millions? 4 millions. T'as fait quoi avec? J'ai dépensé un peu, j'ai gardé l'autre. J'ai enterré ça quelque part. L'autre, maman, j'ai dépensé. 2 semaines, 4 millions. Tu je t'avais demandé l'argent pour acheter un peu de marchandises. Tu avais dit que tu n'avais pas l'argent. Mais oui, ça ne veut tu pas. Tu me dis toujours d'attendre. J'ai acheté, mais j'ai envoyé un voyage au village. Le reste, j'ai gardé. Maman, ça ne veut pas dire que je ne veux pas te donner l'argent. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas te donner l'argent, maman. Et l'argent, l'argent qui reste, c'est combien? Oui, c'est combien, maman? L'argent qui reste. Mais le reste, là, je ne connais pas. J'ai utilisé sur moi le peu, là, j'avais appelé ton cousin, là. Il m'a accompagné au marché. J'ai acheté la marchandise que je voulais, j'ai envoyé au village. Le reste, là, j'ai enterré ça derrière la maison, là-bas. J'ai caché ça, là-bas. Maman, 4 millions. 2 semaines, 4 millions, 4. Deux semaines. Et puis, tu me dis que tu as enterré l'argent où? Tu me montres? Doucement, mon fils, sinon les gens vont écouter. Moi, je ne suis pas volé. Oui. Moi, j'ai vu, j'ai pris ma part. Oui, d'accord. Tu t'es laissé beaucoup, j'ai pris au moins un peu. Je vais aller voir là. Après, tu vas faire quoi? J'ai déjà pris ma part, je dois faire quoi? Non. Va expliquer à ton chef, va te comprendre. Non, maman, mais c'est l'argent du travail. Tu ne peux pas prendre ta part quand même. Moi, je sais aussi, je te remets ça, tu ne vas pas me donner. Non. Ah, mon cas, ça c'est pas beaucoup, ce que j'ai pris là, c'est pas beaucoup. Quand tu as fait beaucoup d'années avec le peu là, tout le truc que j'ai maman, laissé c'est là. Pas mon argent. C'est pas mon argent. Mais il faut lui dire que tu vas continuer à travailler, comme ça il va récupérer, tu vas rembourser ça. Non, tu continues à travailler. Mais si je pars lui dire que c'est ma maman qui a pris là, on va t'enfermer. On va t'enfermer. Tu iras en prison. Hein? Mais oui. Pourquoi? C'est l'argent de l'investissement. J'ai pris l'argent de mon fils. C'est pas mon argent. C'est mon enfant. C'est pas mon argent, c'est l'argent de l'entreprise. Là où je travaille, au fait. L'entreprise qui m'a donné la voiture. J'ai appris ça à la maison ici. Qui m'a donné la maison? Mais j'ai appris ça à la maison ici. Je ne veux pas aller prendre ça dans votre entreprise là-bas. Non. Si vous voulez appeler votre chef, là, moi, je ne veux pas aller. Maman, s'il te plaît, montre-moi là où tu as mis l'argent. Tu l'as dit que tu l'as enterré derrière la maison. Je ne sais pas où. Montre-moi juste là où tu as mis l'argent. Et on y va là où tu as acheté les marchandises comme ça. On récupère l'argent là-dedans. Mais oui. S'il te plaît, maman. Regarde, maman, fais ça pour non, moi. Non, mon fils. Mais je suis licencié. On va plus habiter ici. Appelle-moi ton chef, je vais le parler. Oh. Il va te comprendre. Appelle-moi, j'ai déjà pris ma part. Maintenant, je remets. Mais t'as pas un déni, maman. T'as pas un déni, vraiment. Vraiment, je comprends maintenant pourquoi. Je voulais pas que tu viennes ici. Je comprends pourquoi. Te remettre l'argent. Ah non. Là, je préfère repartir pour moi au village. Je préfère repartir au village, mon fils. Parce que moi, j'ai déjà pris ma part. Tu es mon enfant. Chaque fois qu'on te demande l'argent, regarde, il y a ton neveu là aussi qui m'appelle. Celui qui m'avait accompagné au marché. Voilà. C'est lui qui m'appelle. Oui. Non, demain, tu vas m'accompagner à la gare. Je repars au village demain. Oui, je vais te rappeler après.
Non, s'il te plaît, je vais te rappeler après, mon fils. Ne t'en fais pas. Non, mais je t'avais donné ta part, non? Oh. Parce que tu avais vu l'argent, maintenant tu dis quoi? Faut pas blaguer avec moi, hein? Tu es comme ta maman, tu aimes l'argent, hein? C'était ton argent. Je t'ai déjà donné ta part, non? Hein? Demain, il faut venir, tu vas m'accompagner à la gare. Oh, arrête de me parler, là, tu es toujours comme ça. À la gare, maman? Oui? Oui? Non, attends, t'es pas sérieuse? Non, non, non. Toi, d'habitude, quand je te demande de l'argent, tu me donnes jamais. J'ai vu, j'ai pris ma part, je t'ai laissé beaucoup, j'ai pris juste un peu. De toute façon, je ne vais pas aller en déterrer d'argent. Je vais prendre seulement ma part, je repars pour moi au village. Maman, donc tu es venue ici pour me chasser de mon boulot? Non. C'est ça, maman? Je ne suis pas venue ici pour te chasser de ton boulot. J'ai pris seulement ma part, tu es mon enfant. Je t'ai élevé. Je t'ai éduqué. Maintenant, si je vois l'argent, je prends ma part. Où est le problème? Mais c'est pas mon argent. Mais continue à travailler comme ça. Ton chef là va te donner l'argent. On m'a chassé du boulot. Il y a ton neveu là qui m'en donne. Non, non. Je ne veux pas. Maman!